Bonsoir, aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment augmenter ses armes sans acheter Modern Warfare sur Warzone. Bien sûr, vous préparez votre loadout avec l'arme que vous voulez augmenter. Vous allez vous lancer une petite partie en solo. Le but, ça va être de se faire beaucoup d'argent très rapidement, donc 5000 pour après viser un shop et s'acheter son arme. Et après, tu vas monter sur le reste de la mission. Donc moi, petite stratégie, je vais essayer de prendre l'hélicoptère. Mais bon, il y a beaucoup de monde sur moi, attention, je vais arriver. Non, putain, j'ai terminé en pizza, bordel. Allez, je suis dans le goulag, c'est bon, allez, je vais niquer deux mecs là tranquillement. Oh, je le sens celui-là, je l'ai break shield, je vais le bloquer. Allez, à bim, libéré, délivré mon gars. On retourne sur la map avec tous les copains. Et le but toujours, c'est de trouver de l'argent. Putain, il y a déjà du monde là-dedans, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, j'ai qu'une arme, je suis à poil, on se courait au cap d'Aglété quoi. Allez, j'en bute un. Allez, putain, je sens qu'il y a du bruit. Je suis pas tout seul à mon avis. J'en crame un deuxième. Et bien sûr, forcément, il va y en avoir un troisième parce que bah oui, il y en a un troisième. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce jeu? Allez, on relance, c'est parti. Toujours l'objectif de trouver de l'argent. Les stations essence sont une très bonne stratégie, messieurs dames, pour pouvoir trouver de l'argent rapidement. On a toujours un connard, mais j'en peux plus. Allez, je vais niquer ça. Allez, c'est bon, allez, hop, tu retombes pleurer dans les jupes de ta mère. T'as rien à faire sur ce jeu, c'est interdit au moins 18 ans, Kevin. Qu'est-ce que tu fous là? Allez. Après avoir passé un quart d'heure sur comment monter sur l'aéroport pour trouver le shop, pour pouvoir acheter enfin l'arme prédite que vous voulez monter. Donc moi, bien sûr, c'est celle-ci. Et voilà, après, vous pouvez toujours acheter un petit drone si vous avez un peu d'argent en plus. Hein. La moulaga, une fois que ça tombe, ça fait toujours gaga. N'oubliez jamais, donc du coup, faire la mission reconnaissance très très important pour faire gagner de 5000 points d'expérience. N'oubliez jamais que vous, vous n'aimez pas le jeu, mais le jeu ne vous aime pas non plus. Parce que vous avez beau essayer de faire des missions, gagner de l'expérience avec vos armes, et ben non, vous allez crever comme un con, solitaire, tout seul, chez vous, comme un gros connard. Et voilà, et du coup, on relance une partie, c'est reparti autostation essence, toujours la mission principale. Trouver de l'argent pour pouvoir essayer de monter une arme, ça fait 3 heures que je suis dessus, putain. Allez, les stations essence, voilà, des fois vous pouvez trouver 800, 900 balles, mais des fois vous pouvez monter sur 7000, 8000 balles, c'est super. Là pour le coup c'est de la chance, je peux trouver un peu d'argent, voilà. Vous pouvez vous équiper aussi si vous avez de la chance qu'il n'y ait personne autour de vous. Voilà, profitez-en, mettez-vous en plein les poches, c'est gratuit, de toute façon c'est un jeu que vous avez payé 0€ vu que c'est un free to play, voire même un pay to win si vous avez le demande d'avoir Farah quand même 13B. Voilà, une fois que vous avez de l'argent, vous allez acheter votre arme, toujours pareil. Vous allez prendre ce que vous voulez. Et une fois que vous allez... Vous allez en train de toujours faire des missions de reconnaissance. Vous allez les sélectionner, vous allez essayer de survivre. On vous tient dessus tout le temps, c'est casse-couille. Allez, putain, viens ici pour manger ta raclette, là. Allez, viens ici, Brigitte. Allez, hop, t'es lavé, tu rentres chez toi. Allez, hop, dégage, retourne jouer à Fortnite comme les grands ou les petits. Voilà, donc là, vous allez faire la mission, 5000 points d'expérience. Si vous avez un double XP en jetons à faire, ça fera 10 000 points. Et là, en faisant une mission, j'ai gagné 2 levels. Vous recommencez une deuxième fois. Bim, allez hop, j'ai monté niveau 24, c'est normalement, ça devrait être 24. Voilà, niveau super 24, la RAL-MG. Et vous faites ça, tombe plein de fois. Voilà. Donc en gros, en 10 minutes, vous pouvez monter de 4 niveaux. Et si jamais vous, voilà, vous tournez sur un mec, voilà, derrière la zone, etc., ça fait toujours rager. Et si vous avez des jetons double XP, voilà, bien sûr, vous pouvez gagner beaucoup plus de niveaux. En général, en 1 heure, vous pouvez monter de 20 à 25 niveaux. Allez, on va tester un peu les bagnoles, voir si c'est résistant aux chutes de montagne, parce que c'est un jeu qui est très très réaliste, maintenant qu'ils ont un peu tout durci au niveau du jeu. Eh ben non, les pneus arrière, ils tiennent pas. C'est quoi cette Toyota de 1986 qui tiennent pas? C'est de la merde. Allez, on va essayer de tester autre chose, là. Allez, la voiture, ça tient pas, ça passe pas au contrôle technique, là, je pense pas. Bon, voilà, on va le terminer, de toute façon, si je me fais gauler par les flics avec cette épave de merde. Allez, un petit drift en l'air. Dégâts critiques. On va voir si ça résiste un peu aux balles, parce que bon, c'est quand même du Toyota, quoi. Hein. Non? Oui? Ok. Tout a pété. Allez, j'ai vu une mission qui reste. Ah bah non, il n'y a plus de mission. Putain, il y a un connard qui me l'a piqué. Il est où ce pont? Je vais me le fumer là. Ah putain, il est dans la bagnole. Ah, c'est terminé. Allez, on va aller tanner au goulag. On va essayer de s'entraîner un peu les points sur les générateurs d'électricité. Ça durcit toujours les eaux. C'est toujours. Ah bah, il n'y a personne qui joue à ce jeu ou quoi? Je suis libéré, j'ai même pas joué. Voilà. Bon bah, il reste plus qu'à reprendre son arme, de l'acheter et puis de terminer avec un top 1. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous allez avoir un service cette putain de vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Ciao, bisous, bonne journée.